nous disent les Anglais, he's back. Ouais, ouais. Pascal Bodjuna est de retour, ouais, la famille. Pascal Bodjuna a été nommé conseiller spécial à la présidence par son excellence Fort Nassibé Yadema, la famille. C'est dans cette vidéo, voilà. Retour aux affaires politiques de Pascal Bodjuna, la famille. C'est dans cette vidéo. Ok, la famille. Fort Nassibé nomme Pascal Bodjuna conseiller spécial pour des affaires politiques. La famille, ce n'est pas de la blague. Pascal Bodjuna is back. Apprécie d'avoir les images. Pascal Bodjuna. Pascal Bodjuna. Pascal Bodjuna. Ok. Tu le connais pas? Tu le connais? Tu le connais pas? En tout cas, let's go seulement. Pascal Bodjuna reprend du service à la présidence de la République. Ancien ministre d'État, ministre de l'Habitation territoriale, de la décentralisation et des collectivités a été nommé vendredi 29 décembre 2023 conseiller chargé des affaires politiques par le chef de l'État Fort Nassibé. Voilà la famille. Voilà. Maintenant, Pascal Bodjuna a repris service à la présidence de la République aux côtés de son excellence Fort Nassibé et Yadema. Donc, Fort l'avait nommé par décret présidentiel le 29 décembre 2023, passé récemment, la famille. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, Pascal Bodjuna, c'est un nom politique togolais. Ouais, la famille. C'est un nom politique togolais. Bien que le décret n'ait pas été rendu public, Pascal Bodjuna va désormais se charger des affaires politiques à la présidence de la République, la famille. Voilà. Donc, l'information n'avait pas tellement été circulée. Mais, la famille. C'est ça. Voici l'information, la famille. Pascal Bodjuna est de retour aux affaires politiques. Comme on a décrit le signal, donc il est chargé des affaires politiques à la présidence. Tout ce qui concerne la politique ou les politiques. Ah, la famille. Donc, c'est ça. Ainsi, le fils de Gouméa signe son retour après avoir écarté les affaires depuis sa supposée implication dans l'affaire de l'Illuminati. Ah, vous connaissez? En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, donc Pascal Bodjuna, il a commencé dans sa carrière politique étant directeur de cabinet de Fort. Après l'avènement de 2005, au début, donc, il était directeur de cabinet de la présidence. Après Pascal Bodjuna, il a été nommé ministre. Donc, ministre de la décentralisation des collectivités locales. Sinon, en tout cas, personnellement, moi, c'est là-bas, mais moi, j'ai connu vraiment Pascal Bodjuna, la famille, quand il était ministre de la décentralisation. Vous connaissez, dans le temps, la politique, si on parle d'unir, elle peut dire unir, non, c'est Pascal Bodjuna. Là, le gars, politiquement, le gars, il est assis. Voilà, la famille, le gars, il ne l'a pas. Donc, comme je viens de le dire, donc, il a été dehors, c'est depuis sa supposée implication dans l'affaire de l'Illuminati. Donc, comme vous le savez, donc Pascal Bodjuna, en 4 ans, il a eu des problèmes avec la justice togolaise, donc pour faire des procureurs internationales. Vous le savez, donc, pour ceux qui ne savent pas, pour rappel, donc ça a été comment ça, c'est depuis le 2 mars 2011 que Pascal Bodjuna faisait l'objet de poursuites judiciaires depuis 2011. Ouais, la famille. Donc, ça n'a pas été facile pour lui. Donc, il a été au Katavu, à la gendarmerie nationale, très longtemps, la famille. Après, il a été emprisonné à la prison civile de Thierry. Donc, depuis sa libération, donc, il était sous silence. Voilà. Donc, si vraiment vous suivez les actualités togolaises, bon, c'était depuis 2020, en mai 2020, qu'on a constaté que Pascal Bodjuna, il est de retour. Parce que si vous avez suivi l'actualité, ensuite en 2020, donc après les élections de 2020, en février 2020, déjà en mai 2020, donc son excellence Fort Nassibé a été investi au pouvoir. Donc, lors de la cérémonie de la prestation de serment, donc on a contemplé, on a constaté Pascal Bodjuna. On s'est dit, mais le monsieur là, il est de retour. Donc, disons que bon, de 2020 à 2023,
Sûrement que peut-être il était là, mais peut-être c'est pas dans secret ou en cachette quoi. Mais publiquement maintenant, il est sorti maintenant la famille. Pascal Bourgeois is back. Et également pour ceux qui nous pour un petit rappel, donc Bojona il était aussi le patron du groupe Sud Media. En tout cas, LCF, en tout cas vous connaissez LCF. Dans le temps là, si on parlait de télé, mais après la TVT, mais c'était LCF. LCF TV, TV7, LCF, la chaîne du futur avec Dieudonné Kevin, vous connaissez, Café Matinal, vous connaissez. Donc il était le boss là-bas avec son groupe. Donc là, il avait une entreprise Pascal, il avait une entreprise appelée qu'on appelle le groupe Sud Média. Donc c'est ce groupe-là qui gérait la chaîne dont lui était le DG de la famille. Donc voici un peu l'information que je tenais à partager avec vous. Donc depuis l'SF, donc l'SF a été créé en 2008. Donc vous voyez, ça a été fermé en 2017. Donc 2008 en 2017 la famille. Donc c'est ça, avec ce problème-là, vous connaissez la politique togolaise. Donc, c'est ça. Donc, et pour terminer, donc, Pascal Bourgeois, déjà, il a actuellement 57 ans. Donc, il est né en 66, je crois. Donc, 57 ans, papa. Donc, là, 57 ans. Donc, il est de Kouméa, région de la Kara Kouméa, donc à 20 km au nord de la Kara, près de Pierre, la famille. Encore une fois, c'est l'information du jour. À la prochaine. J'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. Je suis RV, on vous dit ciao. Ciao, va. Poupou.